Cette table nous montre des rapports équivalents à 24 quarantièmes. 24 donc sur 40 qui est ici présent. Et on nous demande de remplir les valeurs manquantes. Alors pour cela, on peut par exemple commencer par partir du rapport qui nous est donné, 24 sur 40, et regarder, constater que ici, on a une division par 2. On passe de 24 à 12 en divisant par 2, donc de même de l'autre côté, 40 divisé par 2 nous donne 20. Donc le rapport 12 par 20 est équivalent au rapport 24 par 40, puisque de chaque côté, on est passé par une multiplication ou une division, selon le sens, par 2. Maintenant pour 3, 3 on constate que c'est égal à 12 divisé par 4. Donc de même, de l'autre côté, on a 20 divisé par 4 qui nous donne 5. Enfin, pour passer de 40 à 80, je fais ça en rouge, pour passer de 40 à 80, il suffit de multiplier par 2. Donc, on va avoir de l'autre côté 24 multiplié par 2 qui vaut 48. On a donc complété notre table avec ces 4 rapports, 3 pour 5, 12 pour 20, 24 pour 40 et 48 pour 80, qui sont tous les 4 équivalents. Les tables suivantes nous montrent des fractions équivalentes de 27 sur 75 et 18 sur 55. Donc on a 5 fractions différentes à chaque fois dans chaque table, et elles sont toutes équivalentes entre elles pour chaque table. On nous demande ensuite de comparer 27 sur 75 et 18 sur 55. Alors, quand on regarde tout simplement 27 sur 75 et 18 sur 55, c'est pas vraiment possible de pouvoir les comparer comme ça à première vue. Les numérateurs et dénominateurs sont différents. Donc on ne peut pas donner assurément un signe de comparaison, savoir lequel est le plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On a des tables avec des fractions équivalentes et on va chercher dans ces deux tables si on n'a pas un numérateur ou un dénominateur qui est le même pour chacune des tables. Et un rapide regard à ces deux tables nous permet de constater qu'on a 54 qui est commun aux deux tables. Donc, 27 sur 75 est équivalent à 54 sur 150 et 18 sur 55 est équivalent à 54 sur 165. C'est ce que nous dit l'énoncé. On a donc 54 sur 150 et 54 sur 165. Alors quel est le plus petit de ces deux nombres? On a le même numérateur, donc le plus petit nombre va être le nombre qui va être divisé par le plus grand, pardon, ici c'est 65, va être le nombre dont le numérateur sera divisé par le plus grand nombre. Donc 54 sur 165, c'est plus petit que 54 sur 150, puisque 165 est plus grand. On divise 54 en plus de fois que 54 sur 150. On a donc ce symbole-là. Donc, pour revenir à notre question initiale, on peut ainsi maintenant déterminer et affirmer que 27 sur 75 est plus grand que 18 sur 55. On va faire un dernier exercice pour terminer. Alors, on a quatre tables et on nous dit que les amis de Luna participent à une course à laquelle chacun d'eux court à une vitesse constante. Quelle table est ou sont susceptibles de représenter les temps de passage de ces amis? On a donc des tables dans lesquelles on a la distance parcourue à plusieurs temps donnés. Comme on a l'information que ces amis courent à vitesse constante, on devrait avoir normalement les rapports qui sont équivalents. Tous les rapports doivent être équivalents puisqu'ils courent à une vitesse constante. Donc, commençons par la première table. Regardons 3 pour 2. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 2 secondes, il a couru 3 mètres. Au bout de 6 secondes, combien de mètres il a couru? 6 secondes, c'est 3 fois 2 secondes. Et on voit qu'il a couru 3 fois
3 mètres. On a donc bien ces deux rapports qui sont équivalents. 3 pour 2 est équivalent à 9 pour 6. Et de même, pour le dernier rapport, on passe de 2 à 10 en multipliant par 5, et on passe également de 3 à 15 en multipliant par 5. On a donc ces trois rapports qui sont équivalents. Donc, on peut accepter cette table comme susceptible d'être les temps de passage d'un des amis de Luna. Maintenant, la deuxième table. Alors, la deuxième table, on voit en fait qu'il s'agit de trois rapports pour lesquels on a uniquement des accrémentations de 1. On passe de 11 à 12 à 13, de 4, 5 à 6. Et en réalité, il suffit de regarder ces deux, le premier et le dernier rapport. 11 sur 4 n'est pas réductible comme rapport, puisque 11 ne peut pas être simplifié, n'est pas divisible par 2. Et 13 non plus n'est pas divisible par 2 ou par 3. Et ces rapports ne sont pas simplifiables et ils sont différents, manifestement. Donc cette table, on n'en veut pas. Maintenant, la troisième table. On a un rapport 1 sur 1 qui est manifestement différent du rapport 2 sur 4. Puisqu'on passe de 1 à 2 en multipliant par 2 et de 1 à 4 en multipliant par 4. Donc cette table est également fausse. Maintenant, la dernière table. On a le premier rapport 14 sur 10. Alors, on regarde, 14 sur 10, est-ce qu'on peut essayer de le simplifier? 14 sur 10, on peut le simplifier en 7 sur 5, donc en divisant chacun des membres par 2. Regardons, est-ce qu'on peut faire la même chose avec 21 sur 15? 21 divisé par 3, ça fait 7. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc on a bien le premier et le second rapport qui sont équivalents. De même avec le dernier rapport, regardons, 49 divisé par 7, ça vaut 7. Et 35 divisé par 7, ça vaut 5. On a donc ces trois rapports qui sont équivalents à 7 pour 5, et donc qui sont équivalents entre eux. Donc la table est acceptable pour le temps de passage des amis de Luna.